Parasha Roukat, c'est la 39e section de la lecture hebdomadaire du cycle de la Torah. Roukat, on peut traduire ça par statut, décret, ou je vais plutôt le traduire comme règle. C'est quelque chose qui est imprimé, imprégné dans la pensée, mais aussi dans le comportement, dans les actions. C'est un passage assez important de la Torah parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Ça, c'est dans le livre des Nombres, du chapitre 19 au chapitre 22. Et dans le Zohar, c'est le tome 3, de la page 179 à 184, dans l'édition araméenne. Et c'est un passage qui demande beaucoup d'attention parce que des sujets importants y sont abordés. Et pas toujours facile à faire sortir. Même la traduction peut s'avérer parfois un peu complexe, mais c'est vraiment un texte inspirant qui peut ouvrir beaucoup de dimensions intérieures. Alors, pour résumer cette paracha, ce qui va concerner la partie abordée ici par le Zohar, parce que c'est vraiment très très large, il y a beaucoup de choses. Dans cette paracha, Dieu va prescrire à Moïse et à Aaron la règle de la Torah, Roukat à Torah. Alors on va voir ce que c'est que cette Roukat. Et aussi de fabriquer une eau de dispersion, Meinida. C'est une eau lustrale pour se purifier à partir des cendres issues d'une vache rouge parfaite, intacte, qui a une propriété presque magique de purifier du contact de la souillure du côté de la mort, de la citra-ara. Donc, cette paracha indirectement va parler de cette importance de nettoyer la souillure, nettoyer la mort pour que l'âme puisse partir tranquillement, librement. Et si ce n'est pas le cas, comment le réparer? Alors, cette paracha est importante parce que il y a la mort de Myriam, le manque d'eau, Moïse qui va frapper le rocher pour faire sortir de l'eau, la marche du peuple vers Israël, vers la terre d'Israël, avec les Édomites qui leur empêchent l'entrée. Et puis, il y a aussi la mort de Aaron et le peuple va se révolter à nouveau. Dieu va envoyer contre eux des serpents et va les guérir de leur morsure grâce au Nérochtan, qui est un serpent de cuivre. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses. Et finalement, ils vont demander de traverser pacifiquement. Donc il y a vraiment une paracha très riche, très 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 chargée. Alors on va afficher le texte de traduction. Voilà ma traduction. La traduction que je propose. Donc ça commence par Vaïdavaer Hachem El Moshe. Donc Hachem parle vers Moïse, Ve El Aaron, et Aaron, Léomer, pour dire, et c'est la phrase importante, Zot Rukat à Torah. Et Zot, ça veut dire celle-ci. Mais on va revenir dessus parce que finalement c'est le grand thème de ce passage du Zohar, parce que on sait que dans la symbolique des épithètes kabbalistiques, le Zohar nous l'a déjà bien expliqué au début du texte, enfin de ses volumes, Zot représente la Sephira Malkout, elle représente la Knesset Israël, l'ensemble, mais celle-ci peut aussi désigner la Shekhina en Malkout. Donc, il y aura toujours, quand on voit Zot, on descend immédiatement dans Malkout. La dernière Séphira, celle de la royauté, du royaume. Et ensuite, on a le nom de la paracha, Roukat. Alors, Roukat, c'est la. Alors, moi, je traduis ça par règle, la règle de à Torah, de la Torah. Asher, Tzivak a commandé Hachem. Alors ça, c'est l'ouverture du texte, dans le nombre 19, c'est les versets 1 et 2. Alors déjà, pour regarder ce mot Roukat, c'est surtout les deux premières lettres qui nous intéressent, c'est Ret, Kof, parce que c'est Rak, ça veut dire gravé. Donc il y a bien cette notion, Roukat, le Rok,
on peut dire prononcer roc, c'est un statut, une loi, une règle. Quand on dit que roc, ça veut dire c'est conforme à la loi, conforme à la règle. Donc, il y a quelque chose qui vient nous régulariser dans le monde de Malkout par rapport à l'en haut. Ensuite, rak, ret, kaf, la racine militaire, ça signifie gravé. Rakak, c'est vraiment gravé. Donc, cette règle, c'est pas juste quelque chose qu'on nous dit qu'on va respecter par la morale, on fait pas. Non, non. Il faut vraiment s'en imprégner. C'est un souffle qui vient de l'en haut, qui doit nous traverser. Et qui va devenir notre règle de vie, notre règle de comportement en harmonie, parce que c'est surtout ça, avec l'ensemble des autres éléments, autres créatures, autres paroles, autres choses qui sont elles-mêmes imprégnées par cette règle. Et on va vivre à l'unisson, comme un. Ça sera expliqué dans le texte. En fait, même les séphirotes, quelque part, sont gravés parce qu'il y a une notion de rakak dans le séphir Yetzirah, qui vient imprégner le monde. On a par exemple la ruka. La ruka, c'est la constitution d'un pays. C'est la règle du vivre ensemble. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le mot ruka, c'est het, kaf, he, ça va servir ici. C'est une règle pour vivre ensemble, mais ça va nous amener aussi au verbe imiter, mimer. Parce que suivre la règle, c'est imiter celui qui a émis la règle. Et finalement, tous ceux qui vont respecter les règles vont s'imiter les uns les autres. Et ça va donner une sorte de chant à l'unisson. C'est pour ça que ce zot va représenter, dans un premier temps, la Knesset Israël, c'est-à-dire l'ensemble de la communauté des âmes qui vont suivant, ayant reçu la même impression, vont se imiter les uns les autres, vont se rentrer vraiment dans la ressemblance, et en formant cette ressemblance de l'en bas, on va se mettre à ressembler à l'en haut. Et on revient à cette ressemblance avec Elohim à l'origine de la création, à l'origine du monde. Alors le texte dit, Rabbi Yossa s'ouvre, et il va citer un autre passage de la Torah qui commence par Vezot aussi, pas par Vezot, c'est dans le Deutéronome chapitre 4, verset 44, il dit, Vezot à Torah, et celle-ci est la Torah, il n'y a pas le mot Rukat qui est écrit, que Moïse a mis en face à que Moïse, les familles, qui a mis devant le visage des enfants d'Israël. Parce que la Torah, finalement, comment ça se passe? Il monte sur le Sinaï, il reçoit le flux de lumière divine, et ça va être imprégné, gravé, ça va me traverser les tables, et ça va former les 10 paroles. Mais il y a bien un rakak, quelque chose qui va traverser. Et cette imprégnation de l'en haut dans l'en bas, de la lumière dans la matière, c'est quelque chose qu'il faut réussir à réaliser soi-même. Et donc ils vont l'expliquer, mais parce qu'il fait la différence entre l'absence ou pas du ruka, c'est ça qui va être intéressant. Viens et vois. Les mots de la Torah sont saints, élevés et doux, comme il est écrit, plus désirables que l'or le plus fin, plus doux que le miel, que le suc des rayons. Ça, c'est dans le psaume 19, verset 11. C'est-à-dire que la lumière qui va imprégner le monde va au-delà du métal, ce qu'il y a de plus précieux pour nous dans le monde, et ce qu'il y a de plus doux pour nous dans le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas l'imaginer. Ce qu'on va recevoir nous donnera une sensation de richesse d'or, de goût sucré, de agréable, matouk. Mais la réalité, en fait, on ne peut que la deviner par l'imprégnation qu'on en a reçue. Et il dit, c'est comme si celui qui étudie la Torah se tenait chaque jour sur le mont Sinaï et recevait la Torah, dans la même position que Moïse, c'est-à-dire qu'il se fait imprégné, il se fait graver. Et donc ça va au-delà d'une simple règle, si tu fais pas ceci, cela. Non, non.
C'est pas que, c'est quelque chose de profondément consenti parce que c'est profondément intégré. C'est difficile de suivre des règles si on ne les comprend pas, si on n'est pas d'accord avec, etc. On est en résistance, en sur-effort pour arriver à les faire. Mais si on les intègre, alors on devient cette lumière soi-même et elle nous porte. On n'a plus besoin de forcer, de résister. Alors il fait la différence. Il est écrit ici, Vezot Rokat Torah. Celle-ci est la règle de la Torah. Vezot. Et il est écrit, Vezot Torah. Et celle-ci est la Torah. Quelle différence entre l'une et l'autre, avec le Rokat et sans le Rokat? C'est un secret supérieur que nous avons déjà révélé. Et celle-ci est la Torah, est destinée à montrer que tout est dans l'unité une. Hein, un peu difficile à traduire, c'est Beyeruda hein, c'est ici, dans à l'unisson, on pourrait dire, hein, ça vibre à l'unisson. Ça veut dire que quand il n'y a pas cette règle, c'est la totalité de la Torah. Et englobe l'Assemblée d'Israël dans le 5 minutes soit-il, afin que tout soit un. C'est le principe même de la Torah, qui est la traversée de la lumière dans les mondes. Et vous voyez que mon Torah, c'est là, c'est écrit en hébreu, mais en araméen, c'est Oraïta, quelque chose de très très lumineux qui vient nous imprégner, nous traverser. Le principe, c'est d'accepter, de faire la Kabbalah dans ce sens-là, que la lumière nous traverse, qu'on ne soit plus en résistance avec la lumière, parce que ça, c'est difficile, c'est fort, c'est dur, ça fait mourir même, ça fait vieillir, ça fait fléchir, alors qu'il faut que cette lumière nous traverse sans rencontrer d'opposition. C'est un peu comme la lumière sur les tables de la loi qui a traversé les tables. Par conséquent, et celle-ci, la Torah. Pourquoi un vav est-il ajouté? Alors, on voit la différence. Hein, c'est Zot, Rokat, et là c'est Zot, Atora. Il n'y a pas le vav devant. Bon, c'est un peu normal parce que ça commence par une phrase, mais enfin, c'est toujours des petits détails qui comptent dans le texte, sans la règle, parce que quand on dit Vezot, Atora, c'est la totalité qui est reçue. Quand on met Rokat, alors là, il va falloir spécifier les règles. Alors, pourquoi le vav est-il ajouté? C'est seulement pour montrer que, comme on nous l'enseigne, tout est un sans division. Et celle-ci indique le général et le particulier, le mâle et la femelle combinés ensemble. Ça veut dire, alors, c'est une petite règle aussi qu'on peut rencontrer dans le langage du Zohar, c'est que Zot, c'est la présence divine, c'est la communauté d'Israël, c'est Malkout, la dernière Séphira, qui sera symbolisée par le Hé, on va le voir, et le Vav qui est devant, c'est la sixième lettre qui correspond à la sixième Séphira, c'est la troisième lettre du nom de Dieu, Yod et Vav, qui marque le Tiferet, et qui va représenter à la fois le mâle, le Zérampine, le visage court, qui va représenter le fiancé. Et le Zot, c'est Malkout. Et on est dans l'union mystique de Tiferet et de Malkout, dans cette relation que Cantique des Cantiques va chanter. Là, c'est réalisé. Alors que Zot Rokat, c'est quelque chose qui passe par un travail personnel en attendant d'avoir la connexion de l'en haut. C'est-à-dire avant, en attendant que l'union mystique se fasse, il faut avancer et commencer à respecter les règles en soi, les intégrer, s'en imprégner. Comme ça, le jour où l'union se présente, on est prêt à cette relation d'âme à âme, de corps à corps, de corps à âme, etc., pour vivre à l'unisson. Par conséquent, et celle-ci, Vezot, et la Torah. Cependant, celle-ci s'en va supplémentaire et spécifiquement une roka, une règle de la Torah. Mais ce n'est pas la Torah entière. Donc, roka va nous permettre
progressivement, parce qu'on ne peut pas tout recevoir l'unité d'un coup, hein, on ne pourrait pas le gérer. Alors en attendant qu'il y ait cet éveil complet de cette lumière unique, eh bien par mes actes, mes paroles, ma façon d'être, eh bien je dois m'imprégner chaque jour d'une des lumières, pour que le jour où l'ensemble arrive, je sois prêt à faire la Kabbalah, à recevoir. Mais ce n'est pas, c'est un jugement de la Torah, un décret de la Torah. Alors ça peut être pour ça que le mot Rukat, Torah, c'est peut-être seulement une règle à suivre, sans qu'il y ait la transcendance de la lumière qui passe, parce que au début, il faut mimer la chose. C'est pour ça que le mot mimer est intéressant, c'est que je n'ai pas encore réussi la relation avec la transcendance, mais je fais comme si. Donc je mime quelque chose. Alors je vais mimer le juste en Yesod. Je vais mimer le maître, je vais mimer le prophète, je vais mimer les paroles pour m'en imprégner, pour que ça soit bien en moi, pour recevoir. Viens et vois, Taharazé. Celle-ci, alors on a à nouveau le Zot, hein, est pour les Lévites. Alors c'est toujours le même passage, non, c'est nombre 8, verset 24. Il n'est pas écrit « et celle-ci », car ils émergent du côté du jugement et, du côté, et non du côté de l'amour. Haram. Alors, parce que on pourrait dire que le côté de l'amour est quelque chose de très très intuitif, côté droit, le flux passe. En revanche, le côté gauche, c'est un côté de la rigueur, côté du rituel. C'est-à-dire que, pareil, un prophète connecté comme Moïse, qui va connecter par le Oued Moed, qui, avec la transcendance, va pouvoir sans problème s'ouvrir, faire cette union Vézot. Mais ceux qui ne peuvent pas doivent passer par la voie du rituel, la voie de l'apprentissage, la voie des gestes quotidiens, pour réussir à faire ça. Et ça, ça fait partie des Kohanim, des Lévites. C'est leur rôle d'entretenir cette relation en mimant les principes de la lumière. Pour ça, je suis revenu sur ce terme « mimer ». Rabbi Yehuda dit « Pourtant, il est écrit, et celle-ci, faites-leur, et qu'ils vivent ». C'est le livre des Nombres, toujours, mais ça, c'était le chapitre 4, verset 19. Ici, cela est dit au sujet des Lévites, et pourtant, tu dis Zot et non Vézot. Il lui dit, il est né assurément ainsi. Le verset prouve que celui qui réunit un élixir de mort, Sama de Mota, mais n'y mêle pas un élixir de vie, Sama de Chaye, mourra certainement. Par conséquent, Vézot, faites-leur, et qu'ils vivent et ne meurent pas. Alors, ça va dans le sens de l'effort et du sur-effort dont je parlais, c'est-à-dire que au début, on va fabriquer notre élixir par nos efforts, mais comme c'est fait avec effort et sur-effort, ce n'est pas connecté, c'est Zot tout seul. Et ça, c'est la voie de l'épuisement, de la fatigue et par extension de la mort. Donc c'est un élixir de mort malgré tout. C'est pourquoi on ne peut pas appliquer la loi, la règle avec froideur. Il faut y rajouter un élément spirituel, un élément de vie, une roi Kodesh, un souffle saint, quelque chose, un petit supplément de règles, un supplément d'âme, un supplément qui vient se mêler à cet élixir de mort. Et c'est tout un travail mystique, comme Abraham Aboulafia le raconte lorsqu'il est sur les deux communaux, il va transmuter l'élixir de mort en l'élixir de vie. C'est vraiment un élément de transmutation intérieure. C'est parce que l'élixir de la vie est mêlé, mélangé. Mais celle-ci, Vézot, faites-leur afin et qu'ils vivent et ne meurent pas. Car ils exigent Vézot et non Zot. Donc ce vav
qui est un vav de connexion, hein. Il faut oublier que le vav, c'est une lettre de conjonction, de coordination, c'est un crochet qui réunit. C'est-à-dire que même si la règle est bonne, si la loi est juste et bonne, il faut qu'elle soit connectée à quelque chose de supérieur. C'est pas la simple logique qui nous la fait appliquer. Il faut que ça fasse partie d'un tout, que ce soit à l'unisson avec l'harmonie du monde. Sinon, ça devient l'élixir de mort. Et même de domination, parce que souvent, un despote pourra s'appuyer sur une forme de logique, d'appliquer des règles non connectées. Le verset, Vezot, et celle-ci est la Torah, parce qu'elle est en réalité dans l'unité une. Donc la Ruka n'intervient plus, c'est une globalité. Dans une union parfaite englobant le mâle et la femelle. Vav, he. Alors là, le mâle, le masculin et le féminin, c'est Tiferet et Malkout. Zer, Ampin et Sanekva, c'est-à-dire sa contrepartie féminine, la présence divine et le Saint-Béni soit-il, qui vont se réunir. Le Vav, on sait que c'est Tiferet, et le He, c'est le dernier du nom de Dieu, qui marque, qui symbolise la dernière séphira. Ainsi, Zot est un E unifié, c'est le E unifié. À ce sujet, il est écrit, celle-ci est la règle de la Torah. Rabbi Shimeon, Rabbi Abba, Rabbi Elazar et Rabbi Yitzhak étaient dans la maison de Rabbi Pinchas ben Yair. Rabbi Pinchas s'adressa à Rabbi Shimeon en disant « Je te prie, toi qui es désigné d'en haut, de parler ouvertement de ce qui n'était pas permis à un autre humain de dire. Dis quelque chose, fais un ridouche, hein, dis quelque chose de nouveau sur cette paracha. » Il lui répondit « Laquelle ?» Il lui répondit « Vezot, Aruka. » Celle-ci est la règle de la Torah. Il lui dit, voici les autres compagnons qu'il parle. Me demande aux autres, en gros. Il dit à son fils, Rabbi Elazar, Elazar, lève-toi et dis quelque chose sur cette paracha. Ensuite, les compagnons parleront après toi. Rabbi Elazar se leva et parla. Et là, il va aborder un autre sujet, à travers le Zot. Bon, finalement, on est parti de Roukat, mais le grand thème, c'est Zot, Vezot. C'est dans Ruth, chapitre 4, verset 7. Et donc, il change vraiment de texte, mais il va quand même trouver un Vezot. Les Zot, les Fanim, ben Israël. Et celle-ci était auparavant en Israël, jadis en Israël. Les Fanim, c'était avant. Pour la Géoula, pour le rachat, et pour la Temoura, l'échange, pour valider toute parole. Alors là, j'ai continué parce qu'il faut le marquer, même si dans le texte du Zohar, la citation n'est pas complète. Pour valider toute parole, l'homme retirait sa sandale et la donnait à son compagnon. Donc, il va y avoir toute une mystique de la sandale. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une chaussure, une sandale ? C'est quelque chose qui a l'impression de nos pieds. Elle est gravée par nos pieds. Elle suit la règle de nos pieds. Donc il y a quelque chose de cette nature. Et la mystique de la sandale, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Et ça va aller assez loin parce que donner sa sandale, c'est carrément donner une propriété de ce que l'on a acquis, qu'on possède. Donc ça valide une transaction. Ça valide pour racheter quelque chose. Et ce rachat, c'est important parce que la Géoula, on voit, ça sera même le rachat de l'âme, le rachat de quelqu'un de sa famille. Et la Temoura, c'est la capacité à échanger, transformer le monde. Hein? Et donc, une chaussure, ça va assez loin parce qu'on nous dit qu'il ne faut pas rentrer dans un monde sain avec des chaussures. Pourquoi ? Parce que la chaussure va prendre tout notre mauvais penchant. Tout ce qu'on a à travailler pour se libérer, réussir le non-mystique,
eh bien, et comment dire, imprègne nos chaussures. Donc, si on veut savoir sur quoi il faut travailler, il faut presque regarder ou voir sentir. Et on verra que l'odeur, c'est pas toujours la meilleure du monde. Donc, ça peut être un mauvais souffle. Et ça va raconter tout cela. On pourrait dire qu'un juste, un saint devrait avoir des sandales, des chaussures avec une odeur de sainteté. Et là, il est libre, il n'est plus attaché à la matière. C'est notre mauvais penchant, notre citra-hara qui vient imprégner. Donc, c'est les mondes de la mort aussi dans les profondeurs de la chaussure. Et il y a tout un jeu à travers la présence divine. On va voir qui nous permet de travailler sur cette notion de chaussure. Alors le mot utilisé ici, c'est où est-ce qu'il est, qu est ah ben oui, il n'est pas écrit encore. C'est Nahal. Je sais pas si vous voyez, parce que comme la citation n'est pas complète dans le Zohar, on va le voir un peu plus loin peut-être. Donc en fait, Nahal, c'est Nun Ayin Lamed. Ça veut dire sandales, chaussures. Souliers. Ça veut dire aussi fermé, verrouillé. C'est tout ce qu'on a fermé, verrouillé. Ce verset doit être étudié attentivement, parce que c'est vrai qu'il a beaucoup de développement. Si les premiers, alors ça veut dire c'est les anciens, si les anciens, si les premiers ont fait cet accord consensuel selon le jugement de la Torah, et que les derniers qui sont venus et l'ont annulé, pourquoi a-t-il été rendu caduc? Celui qui abroge un mot de la Torah n'est-il pas considéré comme s'il détruisait le monde entier? S'il ne s'agit pas d'un jugement de la Torah, mais d'un simple consensus, pourquoi une sandale est-elle utilisée ici? Voilà, le mot sandale est ici. Voilà. Voilà, ici. Voilà, le mot sandale est écrit ici. Alors, Nun Ayin Lamed. C'était très certainement en accord avec un jugement de la Torah, et cela a été fait avec un secret supérieur. C'est quelque chose qui peut nous dépasser un peu. Parce que les premiers étaient pieux, c'était des dévots et des justes. Cette parole était révélée et connue parmi eux. Lorsque les Hachem, les méchants ou les pécheurs se sont multipliés dans le monde, cette parole a été teintée de notre sens, afin de couvrir ces mots reliés à un secret supérieur. Donc, il y a quelque chose qui a muté. Peut-être que la qualité de l'imprégnation des sandales était bien meilleure autrefois que maintenant. Viens et vois. Il lui dit, n'approche pas ici. Ôte tes sandales de tes pieds. Ça, c'est dans l'Exode, chapitre 3, verset 5. Parce qu'il y a vraiment cette notion où autrefois, on devait retirer nos sandales, nos chaussures, en entrant dans le temple de Jérusalem. Tout comme les Kohanim doivent encore aujourd'hui se déchausser durant la Birkat HaKohanim, la bénédiction des prêtres. Parce que dans le Talmud, dans le Shemot Rabba, il est dit, en tout endroit où la Shekhina se révèle, il est interdit de rester chaussé. C'est pour ça qu'il y a cette notion de. Et puis, si vraiment c'est imprégné de notre mauvais penchant, quand on rentre dans un temple, dans un lieu de sainteté, de pureté, il vaut mieux ne pas amener avec soi son mauvais penchant pour se laisser justement imprégner, recevoir cette roukha, cette imprégnation de la sainteté, pour ensuite remettre ses chaussures et peut-être rectifier le penchant qui est imprégné dedans. Et puis on peut dire aussi que les chaussures représentent symboliquement les biens et les valeurs matérielles. C'est pour ça qu'il y a cette notion d'échange, d'intransaction. Et de même qu'on peut retirer facilement ses chaussures, ben en fait, il est possible de se débarrasser de ses valeurs, de ses attachements matériels, qui est une étape indispensable avant d'être en contact avec la Shekhina, la présence divine.
Alors, donc, pourquoi une sandale est-elle spécifiquement mentionnée ici, la Nahal? Demande ça. C'est la façon dont on, c'est la façon dont on nous a enseigné qu'il a ordonné à Moïse de se séparer de sa femme et de s'unir à une autre femme avec une lumière de sainteté suprême qui est la Shekhinah. Parce qu'effectivement, hein, il y a eu bien cette idée que Moïse a dû se séparer pour se réunir. C'est vraiment un passage particulier. C'est quelque part se quitter le monde temporel qui est représenté par l'attachement, l'union à la femme temporelle pour passer vers la dimension éternelle et spirituelle et passer à la Shekhinah qui est l'épouse de toute la Knesset, de toute la communauté. Et là, elle va représenter ce passage de la lumière de la Torah. Donc, c'est une transformation, mais pour ça, il faut quitter ses chaussures. C'est déjà abordé, cette notion de Moïse et ses chaussures, c'est abordé dans le Zohar, dans la section Nassau, c'était la page 148. Et parce qu'il a fallu que Moïse se sépare de tous ses besoins matériels afin de pouvoir se connecter en direct avec la Shekhinah, la présence divine. Cette sandale est expliquée à un autre endroit, je pense que c'est la section de Nassau. Elle fait traverser ce monde à celui qui la donne et l'installe dans un autre monde. Donc il y a bien cette notion de passage. La chaussure est portée pour séparer, pour nous séparer de la terre. Et lorsqu'on rentre dans un lieu sacré, il faut les enlever pour bien avoir le contact avec la sainteté, le sacré. Et quelque part, la chaussure, quand on revient dans un monde impur, il faut les remettre. Par conséquent, tout ce qu'un mort accorde à un humain en rêve est bénéfique. Alors on va rentrer dans une règle du Lévirat qui est un peu complexe, mais on va essayer de la résumer. Cependant, s'il prend un ustensile de la maison, cela est nuisible, comme une sandale. Alors, quelle en est la raison, puisqu'il a fait passer son pied qui positionne la personne hors de ce monde et la transporte dans un autre monde, à l'endroit où règne la mort, comme il est écrit, qui sont beaux tes pas dans les sandales, filles de prince. Ça, c'est le Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 2. Alors, la fille de prince, ça c'est la présence divine. Cette notion de beauté, c'est Tiferet qui va se réunir. Et le passage, il y a toute une règle de ôter la chaussure. Ça va se passer pour le mariage, d'ôter la chaussure, la mettre. Et aussi, ils vont l'expliquer, lorsque quelqu'un meurt sans enfant, sans continuité, il n'a pas fini son œuvre, il appartient à son frère de prendre sa place, de continuer son travail. Donc il y aura cette idée qu'il faut qu'il épouse sa veuve, qu'il prenne ses enfants, et qu'il continue son œuvre. Et pour ça, il faut qu'il prenne sa chaussure aussi. Et donc il faut qu'il prenne sa charge, certains diront, il faut qu'il prenne son karma, il faut qu'il prenne son, tout de même son mauvais penchant pour continuer à travailler pour lui et lui permettre d'accéder à l'au-delà, au monde à venir. Et là, il y a tout un rituel qu'on va essayer de décrypter ici, ce n'est pas toujours évident. C'est ainsi que lorsque la mort le prend, uniquement lorsque la mort le prend. Cependant, lorsque le vivant retire sa chaussure et la donne à une autre personne afin de confirmer une alliance, c'est une transaction, il le fait par décret supérieur. Parce qu'il y a toujours cette idée que tout geste de l'en bas a un geste de l'en haut. Et si je prends ma chaussure en bas pour donner, c'est presque un pacte, une alliance qui est faite dans l'en haut. Donc on ne va pas trop revenir dessus. Le retrait de la sandale, de la chalitza, alors c'est le retrait de la sandale dans la loi du mariage lévirate. Alors le mot chalitza est ici, ça veut dire déchaussement, c'est enlèvement. Ret lamed yod sadehe. On va presque avoir
l'histoire de Cendrillon, mais un peu à l'envers, un peu différemment, mais cette notion de la chaussure. C'est quelque part se détacher, se mettre à l'écart, c'est enlever la chaussure, hein. Correspond en haut à une autre sandale, et tout est un seul secret. En gros, lorsqu'il y a ce rite de déchaussement dans le mariage du Lévirate, c'est un peu comme une transaction. Le mot qui a été utilisé, c'est racha, geoula, et c'est temura, c'est transformation, c'est échange, c'est une permutation. Et l'acte qui est fait en bas, il a une résonance en haut. C'est toujours le principe du Zohar. Viens et voir, viens et vois. Lorsque le mort s'en va du monde sans enfant, la fille de prince, une faute, ne recueille pas cet humain auprès d'elle. Donc c'est ça, il peut pas réintégrer le tout. Il flâne et erre dans le monde car il ne trouve pas de place, il ne trouve pas sa place. Il peut pas être reconnecté, raccroché à l'ensemble. Il y a cette idée que le passage dans l'en haut, dans le monde à venir, passe par l'intégration, par la Shekhina, qui est la fille du prince. Le Saint, béni soit-il, Kadosh Baruch Hu, a pitié de lui et ordonne à son frère de le racheter. Donc, il y a vraiment cette notion de rachat, et c'est là qu'il va y avoir cette notion de chaussure par rapport à la citation de Rabbi Elazar au début. Afin qu'il revienne et soit corrigé dans une autre poussière. Hein, parce qu'on dit tu retourneras à la poussière, où il est écrit, et Adam retournera sur la poussière, Al-Afar. C'est Job 34, ça. Et ceci a déjà été expliqué. Si ce rédempteur, c'est celui qui va. Hein, c'est un perouka, c'est quelqu'un qui va faire le rachat pour quelqu'un d'autre. Hein. Et donc, c'est un rédempteur. Il va sauver son âme, il va sauver son être, il va sauver sa famille. Il ne veut pas relever son frère dans ce monde, il doit lacer une sandale à son pied. Cette femme, qui est en fait la femme du frère qui est mort, ôtera la sandale et acceptera cette sandale pour elle-même. Donc elle va continuer avec. Hein, puisqu'en fait, quelque part, si le mari meurt, ben, la femme se retrouve avec les dettes du mari, elle se retrouve avec toutes les charges en plus de son mari. Donc, quelque part, prendre la sandale, c'est quand même un acte énorme, hein, c'est prendre une propriété, prendre quelque chose, hein, c'est presque un transfert de propriété. On devrait faire ça quand on va acheter ou vendre une maison chez un notaire, il faudrait donner sa chaussure. C'est simplement parce que cette sandale est destinée aux morts, elle la chausse aux pieds de son frère vivant. Donc elle va le prendre, et pour montrer qu'elle accepte ce rite de Lévirate, de continuer, alors elle chausse le frère, en quelque part, elle l'accepte comme second époux, comme mari, mais au nom de son frère. Et c'est lui qui va devoir prendre en charge les dettes du frère. Alors, dette matérielle, bien sûr, mais aussi dette spirituelle, et tout ce qui était imprégné, dans cette chaussure devra être réparé. Donc, ça fait partie du tikkun. La femme accepte cette chaussure pour indiquer que ce mort revient parmi les vivants grâce à cet acte. Et on va dire que le frère vit à travers son frère. Et effectivement, s'il n'a pas réussi, alors je dis avec, pas sûr qu'il y ait des enfants, mais il va le rectifier. En se rectifiant lui-même, il va rectifier son frère. Il a une responsabilité supérieure. Et lorsqu'il va mourir, il ira dans une autre poussière. C'est-à-dire que le frère qui était mort méritait un certain type de poussière par rapport à ce qu'il était, et qu'il avait mis un peu à l'écart de la charina, il appartient au frère de réussir cette œuvre de manière à ce que cette poussière soit différente, soit imprégnée différemment. C'est le contraire de la sandale que le mort prend au vivant. Donc ça, c'est plus embêtant, ça. C'est plus délicat, ça. Maintenant, le vivant prend cette sandale au mort.
La mort marche parmi les vivants avec cette sandale. Donc il y a quelque chose de particulier parce que on est un peu dans le Gilgoul quand même, hein, dans la migration de l'âme. Et effectivement, le frère qui a pris en charge tout le passif de son frère, quelque part, le fait vivre. Donc, il n'y a plus un, mais deux personnes dans les chaussures. Ça peut faire lourd. Et ça peut même faire partie de notions de Gilgoul qu'on va trouver dans la Kabbale lourianique. Par exemple, on nous dit que un juste peut aller imprégner ou habiter d'autres personnes pour les aider, pour les favoriser. Donc, on peut avoir une partie de juste qui vient s'installer en nous. Le mort marche parmi les vivants et cette sandale, et la femme la prend pour elle, pour indiquer que la femme est la couronne de son mari. Paqueta, c'est Atara, mais c'est la couronne de Malkout. Pour recevoir, c'est une couronne qui reçoit, qui va recevoir Tiferet, et qu'elle accepte, et la prend avec elle. Mais cette femme, c'est notre âme aussi. C'est notre âme qui doit être imprégnée de l'en haut, mais qui doit rentrer dans la notion d'acceptation. Cette acceptation fait une coupe qui est une couronne, et on l'intègre. Il y a une obligation de jeter cette sandale au sol pour indiquer que le corps du défunt s'est apaisé. Et le Saint béni soit-il aura de la compassion pour lui et le recevra dans l'autre monde à ce moment-là ou un peu plus tard. Ça va dépendre de la charge de la chaussure. Parce que jeter la chaussure va représenter aussi au sol, c'est une façon de la ramener elle-même sur la poussière. Donc, la partie de la personne qui est acceptable, qui est positive, va passer dans la poussière, et ça sera un élément qui va servir au passage de l'âme. Et ensuite, cette chaussure, il faut continuer à travailler dessus, pour faire ce qui n'a pas été fait. En outre, le fait de jeter la sandale des mains de l'épouse vers le sol vient montrer que ce mort sera ressuscité de la poussière de notre corps dans ce monde. Là, c'est du Gilgoul. C'est vraiment la migration de l'âme. Mais il retournera d'abord vers la poussière d'où il est venu, comme tout le monde. Ensuite, il est permis à cette femme d'engendrer d'autres enfants, comme cela a été expliqué. Donc ça, c'est la continuité. Donc le Gilgoul, c'est pas vraiment l'âme qui va s'incarner dans un corps, revenir, etc. Le Gilgoul peut se faire à l'intérieur de la famille, entre veuves, etc. Et c'est une façon de procéder. Viens et vois. Pour cette raison, celui qui veut maintenir une alliance durable prend sa sandale et la donne à son associé pour qu'il réalise par elle une alliance durable. C'est ce qui est écrit. Alors là, c'est la citation de Ruth. Vezot, celle-ci, l'Ephanim, a été avant en Israël pour le rachat. Et le rachat, c'est pas qu'un rachat commercial, hein, c'est la Géoula, c'est le rachat de l'âme, le rachat du peuple hébreu, c'est le rachat de la Knesset Israël, c'est tout ce qui est l'œuvre de Malkout. La Massé Malkout dans le monde d'Assia, c'est le monde du rachat. Et ça appelle en général un rédempteur, ou plusieurs. Qu'est-ce que Vezot, celle-ci? Une existence parfaite en tout. Pourquoi? Parce que Tiferet et Malkout sont connectés. Et ça, c'est parfait. C'est Shalom, c'est complet. Jadis en Israël, quand ils étaient humbles et saints, donc ils n'avaient pas les mêmes chaussures, ils n'avaient pas les mêmes imprégnations dans les sandales. C'est ce qu'ils appelaient les anciens. Pour valider toute parole, véritablement toute parole. Le mot d'avar, c'est une chose, une parole. Donc, pour valider toute chose et toute parole. Il y a toujours cet acte nécessaire. Il ne suffit pas de parler, il faut qu'il y ait aussi l'acte qui en témoigne. La parole est accompagnée d'un acte. Cela donne existence. Ou conforte l'alliance. Donc, Vezot témoigne, atteste en Israël. C'est la même citation. Hein.
Assurément, il ne s'agit pas d'un simple agrément de la veuve et d'actes involontaires pour elle, mais d'un relèvement supérieur afin que leurs œuvres soient dans le secret de l'en haut. Et en fait, il est vraiment dit que le frère, s'il épouse la veuve de son frère défunt, ne doit pas le faire parce que la veuve est jolie, qu'elle est attirante, etc. Ça n'entre pas en ligne de compte. Et c'est vraiment. Elle-même ne doit pas le faire aussi pour son simple confort. Hein, j'épouse son frère, comme ça, j'ai plus de problèmes financiers, je suis tranquille, je suis à l'abri du besoin, etc. Il ne faut pas qu'elle soit contrainte. Ouais, ce n'est pas un objet non plus. Donc, il faut qu'elle participe autant. Il faut qu'il y ait quand c'est dans la relation Tiferet et Malkout, il faut qu'il y ait autant d'attraction de Tiferet envers Malkout que de Malkout envers Tiferet, entre le bien-aimé et la bien-aimée du cantique. Hein, il faut vraiment trouver ce point d'équilibre qui n'est pas toujours facile à déterminer. Mais grâce à l'imprégnation des règles, si on trouve les mêmes règles, les mêmes imprégnations, on va se mettre à se mimer l'un et l'autre et se ressembler, se reconnaître. Et c'est pour ça qu'on va se mettre en unité comme un, on va dire, on va se mettre à l'unisson. Lorsque les méchants, hein, les pécheurs, c'est comme des péchés, se sont multipliés dans le monde, ils ont tassé la parole d'une autre manière. Hein, ils ont établi la parole d'une autre manière, avec le coin d'un vêtement. Hein, le mot c'est knafa, c'est plutôt l'aile du vêtement. Cet habit est une correction élevée. Le secret de sa parole est « Ne dévoile pas l'aile de ton père », le bord du vêtement de ton père. C'est dans le Deutéronome 23, ou 22, ça dépend des Bibles. Alors, cette notion, le père va représenter Rochma. Donc, ça veut dire, c'est pour ça que c'est une correction élevée. C'est plus une correction par rapport à Tiferet, mais une correction par rapport à Rochma. Mais ça, c'est quand même un autre sujet. Celle-ci est la règle de la Torah. Donc, on revient sur le début de la paracha. Zot, celle-ci, est le signe de l'alliance. Alors, là, en araméen, c'est Kayama. Kayama, mais ça peut correspondre à Berit, en hébreu. Souvent, d'ailleurs, on traduit la traduction en hébreu du Zohar. C'est le mot Berit qui est utilisé. Mais Kayam, c'est la façon de se soulever aussi, de se dresser, d'exister. Donc c'est très intéressant de mettre l'alliance dans ce sens-là. Et donc c'est le signe de l'alliance, Zot, mais c'est la marque en bas, dans le Malkout, de la présence divine. Cette présence marque l'alliance éternelle. Et ils ne se séparent pas l'une de l'autre, appelé Zé, ceci. Alors, là, il faudra voir le Zohar, il faudra revenir dans le tome 1 du Zohar, page 93b, dans l'Er Lecha, parce que là, la notion de Zot et de Zé est largement développée au début du Zohar. Mais en gros, on pourrait dire que Zé, c'est ceci, c'est au masculin, et ça va représenter Tiferet. Et Zot, c'est au féminin, représente Malkout. Et le féminin monte vers le masculin. Hein, parce que quand on est dans Malkout, il ne vaut pas descendre, il vaut mieux s'élever. Donc il y a l'appel de la fiancée, l'appel mystique, l'appel de la communauté. Et lorsqu'il y a cette vibration à l'unisson, il va y avoir une élévation. C'est pour ça que le mot Kayama, qu'on traduit ici par alliance, c'est une façon d'exister, de se relever, de faire koum, debout, hein, vraiment réaliser l'alliance, c'est se redresser, c'est monter, et c'est une montée de l'énergie des profondeurs de Malkout, qui comme un, c'est pour ça que la notion de Knesset, d'assemblée, est importante, presque l'idée est de dire que pour monter, il faut que toutes les âmes montent, c'est la meilleure des montées, celle-là. Alors, on va se rendre compte que s'il y en a qui ont des mauvaises sandales mal imprégnées,
elles vont empêcher tous les autres de monter. Donc c'est un acte de, à la fois de rigueur, mais d'amour aussi, et de presque dans son propre intérêt, de partager un peu les charges de ceux qui ne s'en sortent plus pour que tout le monde monte ensemble. Par conséquent, Chamor, Vezachor, c'est-à-dire garder ce souvenir, sont connectés comme un. Parce que, alors ça c'est l'ouverture du Shabbat, c'est l'appel de la Shekhina, l'appel de la Kala, l'appel de la fiancée pour ouvrir la lumière du Shabbat, où on demande d'être de Chamor. Chamor, c'est garder, c'est surveiller, mais c'est presque se focaliser sur quelque chose, observer, se focaliser sur quelque chose, donc garder le cap. Et Zachor, c'est se souvenir. Mais le mot Zachor, bon, c'est l'évocation aussi, Zachar. Donc il faut évoquer les choses et les faire sortir. Donc parler de ce qu'il y a dans l'imprégnation des chaussures, dans la gravure des chaussures, donc pour les faire sortir. Donc c'est se souvenir, c'est ça aussi. Se souvenir de la présence divine, se souvenir de vraiment beaucoup de choses. Mais Zachor, c'est aussi Zachar, le masculin. Ainsi, Chamor Zachar, c'est aussi ramener le regard de la Knesset, du Zot en bas, vers le Zé, vers l'en haut. Et se souvenir de faire ça, au moins une fois par semaine, puisque c'est Shabbat, qui doivent être et qui alors sont connectés comme un, pour l'élévation. Chukat, règle de la Torah, il aurait été préférable de dire Rok, juste le Ret et le Kof, hein, qui est écrit ici, c'est vraiment le mot hein, qui veut dire gravé, plutôt que règle de la Torah. Qu'est-ce que Rokat? Pourquoi on a rajouté un Tav? Alors là, il va rentrer dans une petite subtilité qui n'est pas toujours facile à comprendre, on va essayer de le simplifier là aussi. C'est assurément Rokat. Bon, c'est sûr qu'il faut dire Rokat. Voilà. Nous avons déjà relevé que E fut un Dalet. Alors, il y a cette idée que quand on regarde la lettre He, on voit un dalet, avec une petite barre qui s'est mise dessus, mais en fait, à l'origine, quand on commence à dessiner un He, on fait d'abord un dalet. C'est pour ça. Et nous l'avons enseigné. On ne va pas revenir dessus parce que déjà, il y a pas mal de choses à expliquer. Cependant, Tav est une combinaison de dalet et de nun. Et on voit très bien que quand on fait le tav, il y a là aussi cette dimension d'écrire un dalet. Donc ça réunit ça. Et on a le noun. Alors, le pied, on va dire que le pied du tav est ici associé à la forme de lettres noun qui sont connectées comme un. On a le dalet et le noun. Alors déjà, dalet et noun, c'est dan, c'est le jugement. Donc, il y a une notion de jugement qui apparaît tout de suite dedans. Nous avons appris pourquoi Nun est orthographié Nun, Vav, Nun. C'est une lettre très riche en symbolisme, Nun. C'est simplement parce qu'il est dit, et aucun de vous ne fera de tort à son prochain. C'est dans le Lévitique 25, 17. Bon, on pourrait trouver des choses dedans, mais je ne sais pas si. Parce que ça commence par tonu. Tonu, ish et. Donc, peut-être que dans le tonu, ils y voient du noun, peut-être. Parce qu'il y a le vav et le noun qui sont là. Il y a tav, vav, noun pour tonu. Maintenant, elle présente une face lumineuse. Alors, c'est simplement parce qu'il est dit. Okay. Maintenant, elle présente une face lumineuse, elle escroque les humains. Ensuite, ça on va l'enlever, ça sert à rien. Puis frappe comme un serpent, détruit, tue et dit, je n'ai pas commis de mal. Alors ça, c'est dans le Proverbe 30, 20, où on parle de la halouka, c'est-à-dire de l'écorce, de la sangsue, hein, qui a deux filles, Rahab, donne. Et donc c'est la. Quelque part, c'est le mauvais aspect. C'est tout le mauvais aspect qui va se cacher dans les profondeurs des sandales et va se cacher la sangsue dedans. C'est-à-dire toutes les forces négatives. Mais
Elle va toujours présenter une face lumineuse et elle va escroquer à amadouer les humains et ensuite elle va les frapper comme un serpent. Il faut pas oublier que dans cette paracha, Dieu va punir le peuple en envoyant des serpents. Il le guérira avec un serpent d'ailleurs. Elle détruit, elle tue. Donc c'est vraiment la halouka, la sangsue, c'est la clipa suprême. Hein. Et elle dit, moi j'ai rien fait, j'ai rien commis de mal. Et là, le mot c'est aven. Hein, aven. C'est pourquoi elle est orthographiée Nun Vav Nun. C'est ce qu'on en dit plus haut, précédemment. Tav est comme un. Dalet, Nun. Dalet et Nun sont Nun et Resh. Car Resh et Dalet sont la même chose. Alors c'est vraiment très particulier la façon d'aborder cela. Alors c'est vrai que quand on dessine le Tav, on peut faire un Dalet ou on peut faire un Resh. Donc elles peuvent se ressembler. D'ailleurs, dans les livres pas très bien imprimés, on peut des fois avoir un petit doute, un instant, parce qu'elles peuvent se ressembler beaucoup. En lettres gravées, ce sont Hoc et Tav. Alors, ça veut dire que on a le Hoc, la loi, la gravure, la règle, et le Tav à la fin va symboliser le Dalet et le Noun. Alors, il y a peut-être différentes choses à trouver parce que le Dalet est une porte, le Noun, c'est à la fois la neshama, la forme, la respiration, l'âme qui monte, mais c'est aussi la nephila, la chute. Et le Noun a deux aspects. C'est pour ça que soit il y a son aspect véritablement lumineux, et il y a son aspect, c'est Noun va Noun, il y a son aspect de la chute, qui est au service de la halouka, de la sangsue. Donc Noun va représenter deux aspects. Et Noun vaut 50, c'est la porte qui nous conduit soit vers les 50 portes de Bina, mais qui peut aussi nous amener vers les 50 degrés de l'impureté. Et grâce à cette loi, on va pouvoir se faire imprégner, on va dire, du bon côté. Parle aux enfants d'Israël qu'ils prennent pour toi une vache. Alors, il faut préciser rouge, hein, parce que là, ce n'est pas marqué. C'est dans le nombre 19, verset 2. C'est la para. La para, c'est la vache. Cette vache vient pour purifier l'impur reçu. La vache est issue de la gauche. Alors, cette notion de vache, on va voir, c'est très très important, parce que c'est le rituel de la vache rousse, c'est celle qui va permettre, on pourrait dire, de nettoyer les chaussures, mais aussi de nettoyer tout ce qui est imprégné par la mort et nous en séparer. Et enfin, cette purification permet une meilleure imprégnation, donc une meilleure unification. Qui est à gauche? C'est le bœuf. Alors le terme, voilà. Qui est à gauche? C'est le chour, voilà. Chercher le terme. Donc, para, c'est la vache, et chour, c'est le bœuf. Alors, chour, c'est particulier, parce que ça peut être aussi un taureau. Donc, c'est soit un bœuf, soit un taureau. On va prendre le sens de bœuf ici, comme il est dit, et une face de bœuf du côté gauche. Ça, c'est la fameuse citation de la vision d'Ézéchiel, chapitre 1, verset 10, hein, où il y a l'aigle, le bœuf, l'humain, le lion. Ensuite, rouge signifie rouge comme une rose. Là, il nous dit. Hein, Sumaka, c'est comme une vareda. La rose en araméen, c'est une façon de descendre des profondeurs, une descente mystique. Comme est écrit, comme la rose parmi les épines. Là, on cite le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 2. Qui est un verset très important parce que ce verset ouvre le Zohar. Rabbi Hezekia s'ouvre et dit, et cite de suite cette parole, comme la rose parmi les épines, telle est ma fiancée. Et il va expliquer que cette rose, c'est la Knesset Israël, et que les épines, justement, c'est les clipotes, c'est les sangsues, etc. Et donc, il va falloir se purifier.
le rouge sera particulier. C'est à la fois une couleur qui peut rendre impur, mais qui va aussi purifier. Et rouge, il dit, c'est une Gezrat Dina, c'est un décret de jugement. Peut-être que Gezrat pourrait être une sorte d'homonyme de Roukat, d'ailleurs, en araméen. Et là, c'est, il faut que cette vache soit Temima. Dans Temima, on voit Tam, il y a parfait. Intègre, parfait. Là, je traduis par intact, mais ça veut dire pur, sans tache. C'est toujours dans le nombre 19, ça. Qu'est-ce que Temima? Je traduis ici par intact, mais c'est sans tache, c'est pur, c'est parfait. C'est ce qui est très dur à trouver. Et on dit qu'il fallait chercher dans tout Israël cette vache. On dit rousse, parce que les vaches rouges, c'est pas si évident que ça, mais c'est le mot Adouma qui est ici. Et ça représente bien le côté de la rigueur. Mais on dit rousse. Et dans tout Israël était cherchée cette vache particulière, sans défaut. Et ça faisait d'ailleurs la fortune de son propriétaire. C'est comme ce que nous avons dit à propos du Shortam. Alors, Shortam, c'est le bœuf parfait ou le taureau parfait. C'est un bœuf ou un taureau inoffensif. C'est-à-dire qu'il n'a jamais fait verser le sang. Il n'est pas agressif. Il a jamais rien commis, celui-là. Et du Shor Mouad, qui est un taureau qui a encorné, hein, qui a empalé quelques, au moins trois fois. Et pour ça, il faut se référer au Talmud de Baba Kama, dans le chapitre 2 du Talmud, où il expliquait que Shor Mouad, c'est un taureau qui a encorné au moins trois fois. Parce que la première fois, ça peut être un accident. Deuxième fois, il l'a fait volontairement, mais est-ce que c'est vraiment sa nature? Mais s'il le fait une troisième fois, ça veut dire qu'il est vraiment dangereux. Et donc, il est pas, il porte de la colère en lui. Donc, il y a l'aspect du bœuf ou du taureau du côté gauche qui est une forme de gevura douce et une gevura dure. C'est deux aspects de Gevura, parce que c'est ça, en fait, le taureau ou le bœuf. Ici, Temima, intact, est un jugement doux de la Gevura inférieure. Ceci, ceci est une Temina. La Gevura supérieure est un jugement dur. Elle est la main forte et virile. Alors, ces deux aspects de Gevura qui peut tempérer, c'est jugement doux, ou qui peut être fort. Alors, c'est vraiment une relation entre la droite et la gauche aussi. Dans d'autres parachutes, on sait que, par exemple, dans Gevura, il y a le nom Elohim. Et Elohim est considéré comme le nom dur, sévère. Et en face, dans Resed, il y a le tétragramme Yod et Vav He, qui est considéré comme le nom doux. Alors, si la droite vient tempérer la gauche, ça fait le Shortam. Et donc, et Tam, c'est pareil que Temima, c'est la même nature. Donc, ça donne un jugement doux, ça adoucit Gevura. Mais s'il n'y a pas cette intervention, eh bien, c'est de la Gevura à l'état pur, avec toute cette force, cette volonté forte, c'est le jugement dur. Et là, il y a la citation de la suite du verset, hein, c'est toujours dans les nombres. Qui n'a en elle aucune malformation. Eshe Aenba Moum. Alors ce mot Moum est important parce que il y a Aen. En elle, moum, qui n'a en elle aucun moum. Moum, c'est un mot qui veut dire atrophié, déformé, estropié même, malformation. C'est un mot important parce que c'est le 72e nom du schéma Memphorach, dans les 72 noms trinitaires. Le dernier, c'est moum, ça finit là-dessus. Donc, c'est pourquoi
Il y a beaucoup de choses là-dessus parce qu'on nous dit que celui qui n'est pas d'accord entre la parole et l'acte va produire en lui une déformation, puisque la parole et l'acte se déforment l'un et l'autre, ça va provoquer une déformation. Donc, il faut que cette vache elle soit en accord parfait. Donc, ce n'est pas qu'un aspect extérieur de pureté, d'intact, il faut qu'elle soit elle-même dans cet axe harmonieux. Alors, Moum, on ne va pas le développer, mais ça vaut 86 en Guématria, c'est la Guématria de Elohim. Donc, il y a la notion de jugement dur dedans. Sans quelqu'un qui va se retrouver avec une malformation, ben, en fait, c'est quand même un jugement dur. C'est comme il est écrit. Tu es toute belle, ma bien-aimée, et sans tache. C'est dans le Cantique et les Cantiques 4. Alors j'ai marqué sans tache, mais en fait, c'est Moum Ein Bach. Malformation aucune en toi. Ça peut être. Alors ce passage, on ne va pas tout revenir là-dessus, mais ce passage peut être pris dans le sens où. Dans les combinaisons de 22 lettres, il ne doit y avoir aucun défaut. C'est ça l'harmonie du monde aussi, l'unisson des mots. Parce que Moum, on le voit, c'est la malformation, Ein, c'est rien. On pourrait même aller chercher un peu plus haut. Et Bach, en toi, ben c'est fait de 20 et de Kaf. De 2 et de 20, pardon. Ça fait 22. Alors, on pourrait dire, aucune malformation dans les 22. Hein, les 22 lettres n'ont aucune malformation. Leurs combinaisons sont parfaites. Et c'est ça qui fait le Yafa, la beauté de la bien-aimée, qui bien sûr est la présence divine, qui reflète la lumière de Tiferet dans ce cas-là. Il n'y a aucun défaut entre les deux, aucun Moum. Et sur laquelle n'est pas monté un joug. Et le joug, alors là, c'est une. C'est une citation du Nombre, chapitre 19, verset 2, donc c'est vraiment, on revient dans les nombres. Et là, le joug, c'est, alors c'est Halia, alors c'est Lo Hala Halia Hol, c'est vraiment quelque chose de supérieur, sur qui n'a pas, pour le traduire, c'est n'a pas monté, la montée de quelque chose de dessus. Donc, il n'est pas surmonté par quelque chose. Et on a le mot Ol qui apparaît, Aïn Lamed, qui, il ne faut pas l'oublier, sont les deux lettres de Nahal, le soulier, la chaussure, la sandale. Si on met un Nun devant, si on remet le Nun dont il était question devant Al, ça fait Nahal, c'est la chaussure. Donc, ça peut donner une autre interprétation. Le mot Ol s'écrit comme dans Elom qui a été élevé en haut. Là, c'est Al. C'est dans le deuxième livre de Samuel. Alors, ça s'écrit pareil, ça se vocalise différemment, mais ça s'écrit pareil. Quelle en est la raison? C'est parce qu'elle est paisible et fidèle en Israël. C'est toujours le deuxième livre de Samuel, chapitre 20, hein, parce qu'on nous dit qu'elle est Shlomé. Alors, Shlomé, c'est en paisible, c'est en paix, mais c'est complète aussi. Hemouné. Qui est fidèle, mais qui a la foi, qui a la confiance. Israël. Ou d'Israël, en Israël ou d'Israël. Et qui n'est pas au-dessus d'elle, mais plutôt avec elle. Alors, le mot avec elle, c'est Ima. Il faut se rappeler que Aïn même, c'est avec, mais c'est aussi Am, c'est le peuple. Ainsi, être le peuple, c'est être avec. Faire partie d'un peuple, c'est être avec les autres. Les âmes sont un peuple, ils sont parce qu'être avec. Quand on dit je fais partie de ce peuple, je suis avec ce peuple. Et être avec, c'est être avec la présence divine. Et sur laquelle n'est pas monté un joug, et comme la Betula Israël, c'est-à-dire la Vierge d'Israël, citée dans le livre d'Amos, chapitre 5, verset 2, ou une Vierge que l'homme n'avait pas connue, ça c'est dans la Genèse, chapitre 24. Donc c'est la Betula Israël, la Betula, c'est la Vierge. C'est la virginité,
c'est la virginité, et qu'aucun homme n'avait connu. Alors la notion de connu, hein, yedaha, c'est quelque chose de sexuel dans la Bible, puisqu'on dit que Adam va connaître Ève. Le verbe connaissance, c'est pour ça que l'arbre de la connaissance est un arbre cosmogonique qui s'engendre. Et vous la donnerez à Éléazar. Ce n'est pas le fils de Rabbi Shimon, là, puisque c'est dans la Bible, c'est le livre des Nombres, toujours, verset 3 du chapitre 19. C'est la mitzvah de l'assistant. Alors, c'est le Segan. Le Segan, c'est, on pourrait même dire, le vice-grand prêtre. J'ai rajouté du grand prêtre, parce que c'est l'assistant du grand prêtre, ou c'est le vice-prêtre, le vice-grand prêtre. Et cela est établi. Quelle est la raison ? C'est pour lui et non pour Aaron, puisque Aaron est le témoin de la matronita. Et de plus, alors on le voit dans d'autres parties du Zohar, c'est que il est témoin, il est serviteur, il est le compagnon intime. Enfin, c'est l'assistant lui-même et l'assistant de la reine de la matronita en Bina en haut. Donc Aaron, c'est la Séphira Od. Il y a cette tempérance et cette relation rituelle avec Gevura pour servir, pour témoigner, pour garder la relation avec Bina, qui est la matronita, qui est la reine. Et de plus, cela serait inconvenant, que ce soit Aaron qui le fasse directement, cette mitzvah. La mitzvah, qui est dans ce cas-là, c'est le fait, en fait, d'abattre la vache rouge, et ensuite de la brûler pour en obtenir les cendres et former une eau lustrale avec. Ça, Aaron ne peut pas le faire, donc c'est son assistant, car Aaron n'aborde pas cela du côté pur, mais du côté saint. C'est-à-dire que Aaron n'est pas dans la notion de pureté qui va se gagner, il est dans la notion de sainteté. Il représente la sainteté. C'est pour ça qu'il est grand prêtre. La fonction première de la vache rouge étant la purification, elle ne lui est donc pas donnée, elle n'est donc pas attribuée. En fait, Aaron ne s'occupe que de sainteté. La notion de pureté, garder la pureté, ça appartient aux assistants prêtres ou aux lévites même. Par exemple, un lévite qui va approcher la mort ne peut plus rentrer dans le temple, il faut qu'il parte dans le désert se purifier, etc. Donc, cette notion-là ne concerne pas Aaron. De transmettre, entretenir la pureté, c'est le rôle de ses assistants. Ça pourra peut-être la différence entre la Gevura dure et la Gevura douce. Chaque mot qui se rapporte à cette vache est dans 7. Hein, c'est Sheva. 7 lavages, par exemple, etc. Hein, il y a beaucoup de systèmes de 7. Alors, 7, nous, on pense surtout aux 7 séphirotes inférieures en dessous de Bina. Donc, le travail de purification de cette vache, obtenue par cette vache, va concerner les 7 séphirotes inférieures de Resed à Malkout. Et on nous l'a déjà appris. Quelle année est la raison? C'est parce qu'elle correspond aux 7 années de la Shemitah. La Shemitah est un cycle, hein, c'est un renouvel. Et qu'elle est appelée Batsheva, c'est Betsabé en fait, qui est la fille de Seth. Alors, il faudrait revenir à d'autres parties du Zohar, ça nous disperserait un peu. Par conséquent, toutes ces œuvres sont en 7. Viens et vois. Tout ce qui est fait à partir de cette vache est destiné à la purification et non à la sanctification. Donc on ne devient pas saint, mais on va pouvoir se purifier. Et c'est ce qu'on veut, hein. Il faut qu'on purifie les sandales, il faut qu'on purifie les pensées, qu'on purifie les actes, pour être avec. Sinon on est rejeté par le avec. C'est pourquoi elle était donnée au vice-grand prêtre, je marque vice-grand prêtre, mais enfin c'est à l'assistant, qui n'effectue ni l'abattage, ni la combustion, afin qu'aucun jugement sévère ne s'abatte sur lui. C'est encore plus vrai pour Aaron qui se trouve à un degré plus perfectionné. Alors donc, il va sans doute s'occuper que de l'eau, que de récupérer des cendres et de l'eau. Donc c'est pas lui qui fait l'abattage.
Donc, c'est encore plus vrai pour la drogue, se trouve à un degré beaucoup plus perfectionné et n'a pas besoin de se présenter ou d'être disponible à cet endroit. Dès que cette vache se transforme en cendre, il y a obligation d'y jeter du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi. Ça, c'est dans le toujours livre des Nombres, chapitre 19, verset 6, comme nous l'avons appris. Donc ça, c'est aussi pour mettre de bonnes odeurs, mettre des bonnes qualités liées au cèdre, à l'hysope et à la couleur rouge du cramoisi. Et un homme pur ramassera. Ça, c'est toujours dans le livre des Nombres, verset 9. Et non un saint homme. Et la déposera hors du camp, dans un lieu pur. Là, on est vraiment rentré dans un cycle de purification. Puisque rien n'est appelé pur, si ce n'est du côté précédemment souillé. Ainsi, en fait, il y a cette notion de témoura, qui a été question avec la sandale. Il y avait le racha, mais il y avait aussi la témoura transformation. Il va falloir rendre pur ce qui a été souillé. C'est le rôle de cette eau, mais dans tout le rituel de la fabrication, il faut rendre les choses pures. Et s'il faut les rendre pures, c'est que c'était souillé auparavant. Alors, tout ceci, c'est pour faire de l'eau. Alors, c'est toujours dans le livre des Nombres, c'est cette citation. Et tout ceci pour faire Meinida. Meinida. Alors, on a l'eau qui est au singulier, c'est rare, hein, c'est Mein. On l'a dans la Bible, Meizahav, l'eau d'or, par exemple, et on a Meinida. Nida, ça veut dire expulser, faire sortir. C'est faire sortir l'impur. Hein. Et donc, on pourrait traduire ça par eau lustrale aussi. Alors, Nida, c'est aussi les menstrues féminines dans le Talmud, mais là, on est vraiment dans la notion de Meinida, c'est on fabrique une eau particulière avec ces cendres pures de la vache intactes et intègres, donc c'est tout un processus de pureté, et on va obtenir une eau qui a la charge particulière, par la simple aspersion, hein, c'est plus que de l'eau bénite, hein, de purifier tout ce qu'elle va asperger ou immerger. Cela correspond à tous les jugements inférieurs et à tout ce qui vient du côté de la souillure quand elle absorbe de l'autre côté, quand elle absorbe de l'autre côté et demeure dans un jugement. Comme il est dit, elle est pleine de sang. Elle est engraissée de graisse. C'est dans Isaïe, chapitre 34, verset 6. Parce que c'est ça. Le mauvais penchant, l'autre côté, a tendance à attirer, à faire passer du côté de la souillure, et ainsi, elle se nourrit de ce mauvais sang et de ces mauvaises charges, qui sont les mauvaises graisses dans ce cas-là. Et l'eau lustrale, Meinida, a cette capacité de ramener magiquement, quasiment, du côté de la pureté. Alors c'est l'eau idéale pour nettoyer les sandales, justement. À ce moment-là, tous sont incités à se lever et à habiter dans le monde, c'est-à-dire formés par les sept séphirotes inférieurs. Il va falloir se redresser. Monter, se lever. Je pense que le terme, c'est. Je pense que. Est-ce que c'est. C'est pas cool. Non, c'est vraiment se lever. Se lever et monter dans le monde. Habiter dans le monde. Dès qu'ils accomplissent ce rituel en bas et que le jugement est exécuté dans ce lieu, qui est une vache, la vache est elle-même le lieu, hein, ils jettent sur elle le bois de cèdre. Alors, leur force est affaiblie et partout où ils l'emportaient, ils s'effondrent. C'est la force du côté obscur, du côté de la souillure, c'est la force de la sangsue, c'est la force de la clipa, c'est de la citra-ara qui, de ce fait, est affaiblie. Et partout où elle emporte, elle tente d'emporter, mais son rôle c'est d'attirer, eh bien ça va la dissoudre. Ça va effondrer. C'est comme une fourmi qui emporterait une sorte de poison dans sa fourmilière et va empoisonner toute la fourmilière. Puisqu'il
puisqu'il voit leur puissance. Alors, il ne demeure pas dans l'humain purifié. Voilà, c'est une façon de nettoyer en profondeur. C'est pas juste une couche de protection comme un gel hydroalcoolique comme trait sur les mains. Non, ça rentre dans les profondeurs et ça va enlever même les causes du mal de la souillure. Alors, c'est une eau merveilleuse. En principe, on ne sait plus le faire, parce qu'il faut le temple, il faut la vache rousse, il faut le temple pour faire ceci. C'est pourquoi elle est appelée eau d'expulsion, hein, pour expulser la souillure, le mal, ou alors c'est l'eau lustrale. C'est une eau de purification. Lorsque le monde demeure dans le jugement et que le côté de la souillure se propage dans le monde, sont alors rassemblés tout ce qui est souillé et qui est purifié. Par conséquent, la souillure et la purification sont les règles les plus importantes de la Torah. Alors ça c'est... Et les compagnons l'ont déjà expliqué. Rabbi Shimon dit, Éléazar, tu as tellement accompli que tes compagnons n'ont pas de mots après toi. Donc en gros, il a tout dit. Voilà, ben on va... Ben, puisqu'il a tout dit, on va arrêter cette paracha ici, mais elle mériterait d'être reprise au point par point, parce que il y a vraiment des mystères et des secrets qui sont suggérés dedans, mais il appartient à chacun d'aller les explorer. Mais on peut arrêter déjà sur cette partie. Il y a encore quelques parachutes à explorer et à comprendre.